Et donc voilà, ici, comme on n'est pas nombreux aujourd'hui, voilà, on fait attention au flash quand même, mais voilà. Ça donne un point de rendez-vous, donc celui qui veut s'amuser dans la Molinier, voilà. Il s'amuse, il y va. Voilà, c'est le but du jeu aujourd'hui. C'est profiter aujourd'hui. En plus, il est tôt, hein, il est 10h du matin. Donc il y a très très peu de motards. Très peu de bagnoles aussi en autre. Donc voilà. Sinon, mis à part ça, j'ai des projets de vidéo ici. Je vais faire le test des 8000 km avec le CB. Ah ouais, 8000 km, donc en 6 mois. Il y a 2 mois de confinement, je l'ai reçu au mois de la mi-janvier. Voilà, évidemment, il a fait quand même dégueulasse, donc les balades n'étaient pas top. Donc, quand même pas loin des 1500 km par mois. Donc c'est pas trop mal. Maintenant, ici l'avantage de la Molinier quand il fait comme ça le matin, c'est on a le soleil, on a l'ombre pour dire de bien accrocher. Et là devant on a JP, on a Ludo, on a Julien, et derrière on a Mich et Gaëtan. Voilà, c'est le noyau dur des motards Carolo. Appelez ça comme ça. C'est ceux qui sont le plus souvent le dimanche et nickel sécurité les gars, super. C'est les vraiment ceux qui sont quasiment tout le temps en route tous les dimanches avec nous quoi. Et bon, aujourd'hui j'ai mon mini moi qui est derrière, 12 ans, 35 kilos, mais qui se penche comme c'est pas possible. C'est la meilleure des SDS que je connaisse. Elle n'a pas peur, elle se dandine derrière. Bon, maintenant, depuis qu'elle a 6 ans, elle fait de la moto avec son papa. Oui, 6 ans, c'est pas bien, on ne peut pas. Oui, je sais. Mais bon. Hop. Allez, mon Julien. Et donc ici, je suis tout seul avec mon petit SDS. Maintenant, la moyenne en poids de mes collègues, c'est 80 kg. Moi, j'en fais 100 bons, plus, 100 bons kilos. Plus les 35 kg du Mogwai derrière. Donc, j'essaie quand même de faire attention aussi. Là par contre je trouve ça super, j'espère que l'angle de la caméra est bonne. Parce qu'elle a moligné sous cet angle, je pense que je ne l'ai pas encore faite. Voilà, aujourd'hui on n'est pas nombreux, mais ce qui nous permet de nous amuser dans les virages. Faut pas se leurrer, quand on est nombreux, c'est pas qu'on s'amuse moins, mais c'est pas la même conduite soi. Respectons les villageois, merci. Les gars. Moi ça me permet d'un peu m'allumer un petit peu parce que j'ai le petit machin derrière moi qui tape dans le casque en disant allez en avant. Ok, en avant. Mais on essaye, c'est 50, c'est 50, on essaye pas faire trop les cons. Aïe. 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 Voilà. Partie d'ici, on peut se commencer à s'amuser. Voilà. C'est ça quand on est à l'avance aux copains. Donc après, on peut s'amuser. Voilà. Mais c'est un scoot beat, mais le scoot beat, il a droit au respect aussi. Voilà. Oui, mais non. Qu'est-ce qu'ils font, les caisseux, là? Oh là 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 là. Il est marqué 70, c'est pour les skateboards, les autos. Ouais, les gars. Bon, je vais montrer l'exemple. Voilà. Hop, hop.
monsieur. Ah, là, il y en a une derrière, là, un petit machin de 35 kg qui commence à se dire, ah, ça commence à virer. T'as beau taper dans mon casque, tu peux aller plus vite, mon chat. C'est déjà trop vite, ça, normalement. C'est pas bien de rouler comme ça. Parce que c'est pas un circuit, la Molinier. Par contre, ça permet de bien faire les appuis. C'est super beau en plus. Ça fait longtemps que j'ai pu m'amuser comme ça dans la Molinier. Voilà. Alors qu'avant je faisais ça tout seul en fait, en permanence. Voilà. Aujourd'hui, ben, soit j'ai... Oh, voilà, regarde. Il signe. Il signe. Ça fait du bien. Là, sincèrement, là, ça me vide la tête d'une puissance. Ouais, merci monsieur. Franchement, moi, ça me vide la tête. La Molinier, comme ça, c'est. Voilà, on se donne des points de rendez-vous avec les copains, on roule comme on veut. Julien, t'es pas sous ça. Autour de mon train, tu me tiens chaud. J'ai l'air con avec mon clignoteur qui va plus tantôt, moi. En tout cas, c'est pas aujourd'hui qu'on aura un excès de vitesse. Ça, c'est même certain. Mon gosse, mon cousin, mon poteau, mon cousin, tu me tiens chaud. Pierre. Ce que j'adore, c'est qu'on vient de faire la grande boucle. On vient de faire la boucle de Dinan, on va redescendre sur le centre maintenant. On aurait pris direction à Serre directement, on était bon quoi. Ouais, moi tu te tournais après. Ouais, ça faisait longtemps, hé les gars! Ah!
Bu! Sauvage! T'es un vrai fouteau de merde! Ah Michel, il est derrière nous, tu vois rien. Regarde. Allez Julien, tu peux ouvrir ici un gars. Allez, vas-y. C'est pour s'amuser quand même. C'est pas ça fond les gars. On va faire mon emmerdeur. Attention les gars, ça glisse un tout petit peu. Ça serre fort à droite, fais attention. C'est quand même beau, hein. Merci les blêmes. Allez, Julien, mets du gaz ici, mon gars. Ça tourne bien, mais c'est sympa. Allez, du gaz, du gaz, du gaz. Pourquoi tu freines comme ça? Hop, donc on va arriver, on va remonter sur la gauche en direction. Oui, bonjour, je m'appelle le guide touristique. Alors j'ai pas mon GPS, y'a rien. Bon, vieux camarade. But I'm very unnecessary thinking of it to do. Mais je suis plein de ces bourdons dans mon casque, bordel. Thank you.
Wilson. Fin de virage. Ah. On est des copains. T'as d'habitude, t'as personne sur cette route. Hein. On arrive à Naline, notre dernier arrêt. Tout le monde pourra descendre d'ici 30 petites secondes. Si nous t'acceptons, il n'a pas dansé. Merci. Qui font là derrière. On sera fort. Tu descends en plus. Hop. Bonne route, tes messages quand tu rentres.